I will speak a little bit and show some of extracts of my movies, because he forgot to say that I made another film who called No Harm Done. It was the response to the Islamists after the attacks on me and the threat of death and everything. So, Once Upon a Time, a title of a film, neither Allah nor Master. Once Upon a Time, a country, Tunisia. Once Upon a Time, a revolution, the first one of the third millenary. A hope of freedom, dignity, women and men together fighting for modernity, democracy, secularism, social justice. But once upon a time, Islamist movements and their influence in an Islamic country. So, what I am going to try to say today, almost something that we know, all of us here, that religion doesn't have nothing to do with politics. I'm trying with my movie to fight for freedom, start with freedom of conscience. And I was very shocked when President François Hollande went to Tunisia to make a speech to celebrate our new constitution that said that, to say that Islam is compatible with democracy. From a country who is an example of laicism. I would use this term, you know, because I prefer it that secularism. Please do the translation. And in a country with the constitution, this new constitution starts in the name and was written in the name of God. Something not really funny, Mr. President François Hollande. For me, it was a shame for France to come to Tunisia and say that to those Tunisian people after two murders, you know, of people fights for laicism in Tunisia. So I will start to show you an extract of my first film, Neither Allah nor Master, who was called after Laïcité Inshallah in France, because it was in France that they refused to call the film Neither Allah nor Master. So I changed the title, because if I didn't change the title, it will not be screened, you know, in public area in France. But at the international releasing, it's always called Neither Allah nor Master. So it's why sometimes it's a confusion between those two films. So this extract show before the revolution, you know, during the period of Ramadan, where I filmed the people not fasting in Tunis and their reaction. So after I'll be speaking another time and showing all the extract of film. So Jack, please. It's dingue. Je veux dire, ça va quoi. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Parce que j'ose dire, je ne crois pas en Dieu, et qu'il ne supporte pas que quelqu'un de musulman dise je ne crois pas en Dieu. Voilà. J'ai bien peur que les artistes soient en danger aujourd'hui, parce qu'on a bien vu malheureusement par le passé dans d'autres pays, on a des exemples. À chaque fois qu'on veut toucher à la liberté, quelle qu'elle soit, on commence par s'attaquer aux intellectuels et aux artistes, parce que justement ce sont eux qui portent la parole libre. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais peur aujourd'hui en Tunisie, après la révolution pour la liberté, de crier haut et fort que on a droit à la liberté de conscience aujourd'hui en Tunisie, et qu'il faut que ça soit inscrit dans notre constitution. Et que si les islamistes ne sont pas d'accord. Moi, quand tu m'as dit que tu parlais de laïcité,
Ben, je suis tout de suite venue parce que la révolution tunisienne, c'était... Nous, on a attendu pendant des années, justement, qu'il se passe quelque chose. On a toujours dit ici que nous, la laïcité, on est en France et qu'on a la possibilité de l'avoir et de la défendre. Et il faut qu'on la défende parce que sinon, les filles qui se battent dans les pays arabes, elles vont lâcher. Et donc c'est quand arrive la révolution, c'est une bouffée d'oxygène. Parce qu'on ne pouvait plus avoir l'explication ici de « mais la laïcité, c'est pas pour les Arabes ». Ou « la démocratie, c'est pas pour les Arabes ». C'est ce qu'on entendait à longueur de temps, quand on s'accrochait à la laïcité, en disant « c'est ça qui doit protéger les filles ». C'est pas le voile, c'est pas la burqa. Quand on est couverte, ça veut dire qu'on est vierge ou qu'on est mariée. Voilà les deux modèles féminins qui sont respectés. C'est le modèle de la femme mariée, de la mère, et de la fille qui est vierge et qui est considérée un peu comme une enfant encore. Et d'avoir en image et en mouvement toute cette jeunesse et ces femmes pour la démocratie, bah c'est... moi j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps la première fois que j'ai vu le film. Et donc après, je me suis dit, ce film-là, il faut le soutenir. La SRF s'indigne de la campagne extrêmement violente dont la cinéaste Nadia Alfani fait l'objet sur Internet. Suite à la projection de son film « Ni Allah ni Maître » à Tunis le mois dernier, elle avait répondu à une interview sur Hannibal TV dans laquelle elle déclarait être personnellement athée. La SRF invite ses adhérents à la soutenir en signant la pétition mise en ligne pour rappeler le droit fondamental à la liberté de conscience et d'expression. Et il met le truc. Voilà. C'est bien, non ? كان فيكم جرام هك جرام غير على دينكم تمشيوا الحنة باع على ديك وتعملوا من هرزة خلاص ناس الموضوع البهيمة المصدقة اللي جيت تحت لي ذي شنو هي تحب تقص بي اللي صورتور جهنم تتفرج على حفلة هاي توابي غادي ما فيك ما يحب ربي ربكم لكم منظوم ربي اللي خلقك انت يا كلبة يا هيمنة يا شايطة يا قارصة يا ما لقيت حتى وصف نوصفهولك Parce que sinon c'est vrai que c'est peut-être avec des avocats parisiens peut-être qui bah là je vais aller voir à la police et tout parce que j'ai reçu des menaces enfin pas des menaces mais un coup de fil haineux à Paris, sur mon domicile, quoi. Voilà, j'ai même prévenu la sécurité qu'il fallait faire attention. Et en fait, ce qu'on me reproche, c'est d'avoir osé transgresser. On me reproche même pas de ne pas croire en Dieu. À la limite, ils aimeraient que je ne croie pas en Dieu, mais que je ne le dise pas. Oui, c'est ça. Ce qui les emmerde, c'est que je le déclare. La révolution tunisienne s'est faite en dehors des islamistes avec des slogans qui n'étaient pas du tout religieux, qui étaient, comme vous dites, sur des principes de liberté et de dignité. Parce qu'il y avait des problèmes socio-économiques. Donc aujourd'hui, je dis à tous ces gens qui perdent leur temps à m'insulter sur Internet et à créer des pages Facebook interminables en trafiquant des photos pour me... But Mr. President Bourguiba, sorry, but use religion, you know, for modernity. It was not a good example in Tunisia because we used to say that Tunisia is a laic country, and I'm afraid it's because we have the most intelligent Islamists, you know. They know how to use now the democracy to govern the country. In fact, in the name of democracy, what? Oh, sorry. You know, they used to use all means, you know, to reach their goal, and their goal is the Khalifa. A part of them use also violence, but the other with democracy. Unfortunately, we, the progressists, are always innocents. We believe in humanity. We believe, you know, that we are
going to speak to the people and they can believe us at the same, I'm the same level as they believe in God, who gave them the right to impose their point of view. And there is no discussion possible with them, you know. So now I'm going to show the second part, Jack. Les islamistes organisent des manifestations contre moi dans le sud du pays. Je deviens tristement célèbre. Les milliers de soutiens que je reçois font du bien à mes cellules saines et je ne perds pas mon énergie. Je continue de résister. تقدم الاساتذه المحامون منعم التركي واحمد بن حسان وعيمان سعيديه بشكايه جزائيه لدى وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه ضد المخرجه ناديه الفاني على خلفيه فيلمها الاخير لله لا سيدي والذي غيرت عنوانه فاصبح علمانيا ان شاء الله. وافاد احد المحامين الثلاثه للتلفازه الوطنيه ان القضايا تخص جرائم سب الجلاله والاعتداء على الاخلاق الحميده والنيل من الشعائر الدينيه وزراء الاديان. No, please, no, no. It's not finished. It's not finished. It's not finished. And when I say they are intelligent and educated, because they know the power of the social media and how to use it in permanent connection between the people around the world. They have financement, we know that. That we don't have, and also they have connection with the younger people, you know, with the youth around the world. So now we are going to show Jack the second. No, not now. Yeah, the second part. Oh, so you are looking for that. Okay. And okay, like this. Let me. No, I cannot say what I have to say after. You know, it's okay. No. So, you want me to tell you, yeah? The computer is tired, no? Yeah, I can understand.
Now I can understand, you know, with all this, 10 minutes, and it was something like 50 meters from the Ministry of the Interior, you know. So the police doesn't interfere before 30 minutes, you know. This is? Okay. Let's go. جرثوم وماذا كيفاش باش نوصفك مخي براسك سلعه حاجه خلقتك يا ربي تسكر على حالك مخي بوجهك مخي بخلقتك سلعه انا من منش ربي يا شيخ لمن انت ريزرفيت بلاصه في جهنم انت تاو ريزرفيت بلاصه في جهنم والله لا يخرجك من جهنم يا كيف يا ملحده تلعب بربي Le mandar Salah elle dit quelle apparence Rabbi, Dieu ne l'a pas gâté sa gueule c'est des expressions tunisiennes la dernière. Mais je ne comprends pas pourquoi Facebook ne ferme pas cette page parce que il y a plein de gens qui l'ont signalée elle est signalée mais je ne comprends pas ils la ferment pas. Mais c'est pas le film, c'est moi, c'est ma personne. Mais non, c'est pas. Il y a des cons partout. Pourquoi tu crois qu'en France, il n'y a pas des catholiques intégristes qui supportent pas qu'on dise qu'on ne croit pas en Jésus? Et quand ils ont mis une bombe au film de Scorsese, c'était pas rien quand même. C'était bien des intégristes. Et là, l'attaque qu'il y a eu contre un artiste, là, une expo photo à Toulouse, parce qu'il a mis un Jésus dans un bain de pisse. Hein. Non, mais franchement. Ils deviennent dingues, mais ils sont tous dingues. Je veux dire, ça va, quoi. Ouais, on est bien d'accord. Parce que j'ose dire, je ne crois pas en Dieu, et qu'ils ne supportent pas que quelqu'un de musulman dise « je ne crois pas en Dieu ». Voilà. J'ai bien peur que les artistes soient en danger aujourd'hui parce qu'on a bien vu malheureusement par le passé dans d'autres pays, on a des exemples. À chaque fois qu'on veut toucher à la liberté, quelle qu'elle soit, on commence par s'attaquer aux intellectuels et aux artistes parce que justement ce sont eux qui portent la parole libre. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais peur aujourd'hui en Tunisie, après la révolution pour la liberté, de crier haut et fort que... On a droit à la liberté de conscience aujourd'hui en Tunisie et qu'il faut que ça soit inscrit dans notre constitution. Et que si les islamistes ne sont pas d'accord. Non, please, non, it's okay. But I want to make a focus about on Facebook, you know, that is able, you know, to close the page of Femen, you know, and never close those pages. Very shame for Facebook because I continue to use Facebook, but, you know, they continue to let those pages against me with threat of death and everything, and they don't want to close them. So I think I have to go faster, okay? So I will, if the computer is okay, yeah? We can pass to the last extract, you know? It's to show, for conclusion, that the fundamentalism use also the youth people, you know? And first of all, in Tunisia, they were very intelligent and they start to occupy, you know, university. To try to impose, you know, the veil in university in Tunisia. And
everybody heard about the occupation of La Manouba, I think. And I have a lot of images, you know, who show what their speech, you know, because they are never afraid to say that they are not for democracy. They don't want to be democratic because for them there is only one law, the law of God. So this third one. اليوم يا الزملاء اللي حب يهز الجامعة اللي حب يقسم الجامعة انت مسلم وانت كافر وانت ملحد وانت حداثي وانت مسلم ولص وانت مسلم غير ربعة وانت مسلم غير ربعة وانت مسلم ودرجين مطلبنا العاني مصلى ونقاب أما في المستقبل عندنا مطالب كثيرة أنا الكاسكيت ما نقبلهاش مرايات شمس ما يقبلهاش وعلاش تحبني نقبل معناها واش مخطي مرايات شمس ما ماشي واحد يدخل مرايات شمس تعري روحها لا ما تعريش روحها ما تقديش وجوهها لماذا تهتم بملامح الفتاة فهي قد رفعت عن عينها ثم قد رفعت لك عند الامتحانات فلماذا يطالبها بأن تظل كامل الحصة وهي يعني كاشفة لوجهها. Bonsoir Abou Yarem Marzouki. Vous êtes l'un des 90 élus donc du parti islamiste Ennahda à l'Assemblée constituante tunisienne. Nous savons qu'actuellement dans notre peuple il y a une disons quelque chose qui et une société émergente optant plutôt pour des valeurs laïques. Il y a une autre société qui refuse ces valeurs laïques. Il s'agit de trouver un terrain commun pour que ces valeurs rationnelles et laïques et ces valeurs spirituelles et religieuses puissent coexister et petit à petit devenir les valeurs communes à tout le peuple tunisien. On voit bien la mauvaise foi dans votre discours quand vous opposez les valeurs laïques aux valeurs de la religion. Alors que les valeurs laïques, monsieur, je vous rappelle que la laïcité, c'est tout simplement la séparation du politique et de la religion. On ne veut pas que la religion soit la base de la gouvernance de la Tunisie. C'est ça la laïcité. Arrêtez de faire croire aux Tunisiens que la laïcité est contre la religion. La laïcité protège toutes les religions et elle préserve des extrémistes religieux. Les principes de défense des droits humains, aujourd'hui, je regrette, monsieur Marzouki, mais dans votre discours, ce n'est pas ce qui apparaît aujourd'hui. Et pour nous, en essayons. Tous les cas, c'est qu'aujourd'hui, il faut que vous intégriez, que vous le vouliez ou pas, ces valeurs qui sont universelles. الحزب الاسلامي الوحيد اللي خدا تاشيره اللي هو حركه النهضه اللي نحن نخالفوه في برشا حاجات نحترموه ونخالفوه هو الحزب الاسلامي الوحيد اللي خدا تاشيره ثم عشرات الاحزاب الاسلاميه في تونس ما خداتش التاشيره باش تدخل باش تعمل حزب سياسي وعليه حسب رايك انت حسب رايك حزب سياسي ما امنش بنظام جمهوري نجم ياخذ تاشيره في جمهوريه باش يقوم بانتخابات نظامها جمهوري نحن نؤمن بالنظام الاسلامي ما تحملوش الراي الاخر تحبوا تفرض رايكم انتم لا مش صحيح يا بنت نحكي معاه قال الله قال الرسول وليس للشعب وانت تمثل الله اللي هو هذا الوظيفه اللي هو بس
que vous faites une différence entre le parti Ennahda qui arrive démocratiquement en responsabilité et ce qui s'est passé autour de vous, les menaces dont vous faites l'objet et l'intervention, dit-on, des salafistes dans cette salle de cinéma? Ben moi, je ferai la différence le jour où Ranouchi en personne fera une déclaration pour rappeler que la liberté d'expression est indivisible, non négociable, non fractionnable et qu'on n'a pas besoin de rajouter derrière « oui, il y a la liberté d'expression, mais cette cinéaste est allée trop loin », à ce moment-là, je voudrais bien croire qu'il est devenu démocrate. For conclusion, the Islamist fundamentalism doesn't afraid, you know, of anything, and they use all means to fight for their ideology to impose theocracy. I am a Democrat. If they stay in democracy, maybe I can let them, you know, express their ideology. But we know all of this, that they used to use democracy to take the power and after to make laws liberticide. So we have to continue to be together, us, progressive people, lovers of universalism law, and we have to find the way to speak to the youth people everywhere with the same language, the one of solidarity, the one of freedom. We have to find the way to make them understand that we can imagine and build a world more equal without social injustice. The youth people needs hope, needs to dream. Let's tell them that they can believe in paradise if they want, but that should not be to the detriment of living happy together. For that, I want to make a call here to establish an international journey of laicism or international journey of secularism, as you want. Please, let's do it together. Thank you.